t'es chaud pour l'entraînement? Ah gros. Allez, c'est parti, je vais le détruire aujourd'hui. Oh, tu m'as rasé. Salut la team! Aujourd'hui c'est parti, donc Vlad m'a dit il ne veut pas s'entraîner en ce moment parce qu'il révise pour le bac. C'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui faire un gros full body ou poids de corps. Et il va souffrir. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo que j'ai sortie hier sur mon histoire, comme ça entre nous il n'y a plus de secret à la famille, allez la voir là-haut. Et puis voilà, c'est parti. Je vous ferai la mienne. Voilà, la sienne bientôt. C'est parti. Je vous passe au débrief ce qui va se passer. Ok, c'est parti, on va faire un gros training au poids de corps, donc full body pour Vlad. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pour à la fois être sec, athlétique et avoir du volume. Ok, on va faire les pecs en premier, donc on va faire des pompes pyramidales. On va commencer de 1 jusqu'à 100 et après redescendre. Ensuite, on va faire les triceps, on va faire du cardio un peu aussi. Des 5 burpees enchaînés avec un salto arrière, 5 burpees jusqu'à épuisement total. Ensuite, pour le dos et les abdos, donc on va essayer de travailler un peu les lombaires en bas. Gainage avec balle, je vous montre ici ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, pour terminer, les jambes, on va faire des squats en restant un peu en bas, je vais vous montrer. Il va galérer, il va souffrir. Et ensuite, pour finir, défense. C'est parti. Ok, c'est parti, on va commencer par un bon petit échauffement parce que bien sûr, il faut s'échauffer avant, surtout qu'on va commencer par les pompes, donc pour les articulations du coude, c'est important. Donc, nous, ce qu'on fait, on déteste faire du cardio, voilà, je vous dis honnêtement. Donc, pour s'échauffer, on essaie toujours de trouver des trucs amusants à faire. Donc là, pour s'amuser, un peu de foutu, c'est prêt? Donc, je vais lui lancer la balle, il va courir et il va essayer de la réceptionner. Yes. Bon, vas-y, j'espère que t'es chaud, ma gueule. Accro. Parce qu'il va souffrir. Bon, nous, on le fait souvent tous les deux. Voilà, à la fin, on complique aussi, on fait des pompes à une main. Donc, moi, si j'essaie qu'il en fasse à l'humain à la fin, c'est moi qui va décider, c'est moi qui va lui dire. Et voilà, et si jamais vous n'y arrivez pas, allez jusqu'à votre mérite. Par exemple, allez au niveau 7. Et puis voilà, et chaque jour, enfin, chaque semaine plutôt, vous allez essayer de monter en niveau 8, 9. Et si jamais c'est trop dur, bien sûr, vous faites sur les genoux. Même les filles, vous pouvez le faire sur les genoux. Voilà, donc c'est parti. Allez, voilà, c'est parti. Donc, tu te mets en position pompe. Alors, je t'explique, donc, comme tu connais, je vais vous expliquer. Donc, vous faites une pompe. Comme ça, hop, après vous mettez sur les genoux, une à deux secondes. Après hop, on va faire deux, hop, sur les genoux, trois, ainsi de suite jusqu'à 10. Allez, c'est parti, arrête de perdre du temps. Allez, go! Donc bien sûr chez vous, vous pouvez laisser cet exercice afin de prendre plus de masse. Allez, 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 allez. À l'échec. T'as combien là? Allez, 10, tout de suite. Allez, 10 pompes, c'est rien. Allez, go! Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6, 7, 8, allez, 9, une dernière. Allez, mets-toi sur les genoux, repose-toi un peu plus. Allez, ne lève pas, ne lève pas, ne lève pas. Tu vas repartir. Allez, 9, tout de suite. Allez, que du sale. Allez, 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 que du sale. Allez, allez, allez. Allez, 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6. Repose-toi un peu. C'est bien, tu vas à la 7. Allez, allez. N'hésitez pas à bien respirer pendant les pompes, n'oubliez pas de bien respirer. Et bien sûr, la colonne et la tête en face. Faites des pompes là où vous regardez. Bien en face, bien aligné à la colonne. Allez, c'est reparti. Allez, t'as combien 7 là? Allez, 7. Allez, 1, 2, 3, allez, 4, 5, allez, allez, 6. Allez, 1, c'est quoi une pompe? 7, tu la relèves, relève-la. C'est bien. On pousse encore un peu. Allez, on va repartir. Allez, allez, on va repartir. Allez, 6 pompes. Allez, tout de suite. 1. Allez, 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 tout de suite, tout de suite. Allez, maintenant, maintenant, donne tout là, allez. Allez, 5, allez, go. 1, 2, 3, 4. Allez, 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 la dernière. Et c'est bien. Allez, t'es prêt? La dernière, je veux que tu restes. Oh, la dernière, vous allez rester bloqué en bas. Allez, allez, la dernière, je veux que tu restes bloqué en bas. Et je veux que tu contractes les pecs le plus possible. Allez, concentre-toi sur les pecs, contraction volontaire. Relève tout doucement. Et voilà. Premier circuit terminé, on passe au suivant. Vous avez dépassé vos capacités, plus vous avez monté. C'est ça. Essayez d'optimiser du coup les entraînements dehors pour ceux qui sont pas à fond comme nous dans la muscu. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un corps athlétique, donc on veut pas personnellement peser 130 kg. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est être athlétique vu qu'on fait des haltères.
on va avoir un physique qui fait qu'on est fier de nous. Voilà, fier de nous, tout ce qu'on veut c'est être fier de nous. Pas que les autres disent waouh, il est archi musclé. Bref, on s'égare trop là. Voilà. C'est parti, deuxième training. Allez, bien sûr entre le circuit, vous mettez 1 minute 30 de repos. Allez, go maintenant. Allez, 5 burpees. Une. Allez. Fais pas de pompe. Si c'est trop dur, faites pas de pompe. Allez. Allez, t'as combien là? T'as 5 là? 5. 5, salto. Allez, salto. Allez, encore. Allez, encore. Allez. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. Vas-y, laisse une place. Mets un peu plus à gauche. Allez, c'est parti. Allez, Vlad. Allez, que du sale, c'est bien. Allez, prochain circuit. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Ah oui, on avait dit pour travailler un peu les lombaires et aussi renforcer un peu les abdos. Parce que je trouve ça compliqué de travailler le dos, poids de corps, sans élastique, c'est compliqué. Là, tu vas remonter avec tes mains et tu vas rester avec tes mains comme ça sur le sol, ok? Tu vas faire un peu un gainage Superman. Allez, Vlad. Allez, tes mains plus longues que ta tête. Voilà, c'est bien. Descends un peu tes fesses. Allez. Descends un peu tes fesses, contracte tes abdos. Allez, gainage normal. Allez, Vlad. Allez, fais du sale, là. Allez. Montre aux abonnés, motive-les, là. C'est bien. Allez. Allez, c'est bien. Allez, n'oubliez pas la team. Vous voulez avoir un corps de rêve et surtout être motivé durant le jour, allez vous abonner à notre chaîne. Voir Body, c'est tout ce qu'il vous faut. Tu restes, Vlad. Tu tiens. Tiens, Vlad. Encore. Je vais tenir, Tiens, c'est bien. C'est bien, allez, donne tout, là. Ah. Allez, donne tout, allez, c'est bon. Allez, donc deuxième circuit terminé. C'est parti, on passe au dernier circuit. Ça va être le pire. Allez, on lui laisse 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Ensuite, on passe au prochain circuit. Allez, prochain circuit, c'est quoi? Vlad, lève-toi. Allez, prochain circuit, c'est quoi? On va commencer avec du squat. Et donc, du coup, ça va être un peu comme ceux qui ont fait les TEP, je sais pas, aux crêpes, les TEP. En gros, c'est du coup, c'est du renforcement musculaire. C'est en gros, vous allez rester en bas comme ça. Donc, n'oubliez pas, le squat, c'est quoi? Fesses bien arrière et dos bien cambré. Et c'est grâce à vos talons que vous allez remonter et pas à votre pointe des pieds, ok? Donc, je veux voir les talons plantés dans le sol, ok? Comme ça. Un squat, comme ça, ok? Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander des fois de rester bloqué en bas, ok? Faire du synchro. Donc, descendre, monter. Hop! Il va en chier. Et après, à la fin, on va lui faire des fentes. On va lui faire des allers-retours. Et après, je pense qu'il en aura assez. Ok, reste bloqué en bas. Reste bloqué. Pas tes mains sur les genoux. Mettez pas vos mains sur les genoux. Reste bloqué. Bloqué. Remonte. Descends tout de suite. Allez, plus vite. Le plus important, c'est de contrôler la position. Ok? Faut faire le mouvement le plus propre possible. Voilà. Vous pouvez mettre vos mains comme ça si vous voulez. Hein. Comme ça, voilà. Ou alors comme ça, comme si pour éviter, pour faire jerker une barre. Voilà. Allez, encore. C'est bien, Vlad. Allez, descends, reste en bas. Reste. Encore. Reste. Bouge pas. Faut que tu restes. Tu restes stable. Non, remets tes mains comme tout à l'heure. Voilà, reste stable. Allez. Là, il se prépare aussi pour les TEP. Hein. Il va faire aussi les TEP. Donc, je le prépare en même temps pour les TEP. Les TEP, ça va être pire que ça, mon gars. Renforcement musculaire. Non, je t'ai pas dit remonter, tu redescends. Je t'ai pas dit. Allez, Vlad, reste en bas. Allez, Vlad. Il n'y a pas de non, tu joues à quoi, là? Ça, je vais le mettre dans la vidéo pour te punir. Le team dit non. Il est fou, lui. Allez. Normalement, faut être synchro avec la musique, mais on n'a pas de musique. Donc, on va faire. Ta-ta-ta-ta. Fais gaffe, les talons, ils commencent à faire décoller du sol. Bien ancré dans le sol. C'est bien. Essaye de mettre tes jambes, donc vos jambes, c'est écarteur de vos bassins. Remonte un peu, tout doucement. Voilà, descends, remonte. Descends, remonte. Allez, reste bloqué en bas, allez. En bas. Reste bloqué. Allez. C'est pire, mon gars, les TEP. C'est rien à côté du TEP. Allez, reste bloqué. Je t'ai pas dit de remonter. Allez, éteins ton cerveau un peu là. Non, reste bloqué. Retourne en bas. Encore un peu, allez, Vlad. Là, au TEP, t'aurais été éliminé direct là. Allez, reste en bas, bloque, éteins ton cerveau un peu là. Faut vraiment apprendre à éteindre son cerveau dans les trucs comme ça. Si vous vous écoutez, vous ne ferez rien dans votre vie. Allez,
4. Allez, 3. Allez, allez, cul du sale. 2. Ah, reste bloqué, 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 arrête. Il a bouffé de l'herbe, ton pote. Reste bloqué, reste bloqué. Et tu remontes et tu fais un salto arrière. Tout de suite. Allez, quoi. Allez, c'est parti. On va passer au plus dur. Alors, gros. Oh, les abdos. C'est bien. Congestionné de partout. C'est parfait, ça. Voilà. Alors, c'est comment? C'est plus dur qu'à la salle ou quoi? À la salle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment le mental. Une fois, une question de force. Même quelqu'un qui est moins musclé pour réussir. Ah oui, largement. Ça n'a rien à voir. S'il a le mental. Mais pas. Allez, on passe au prochain. Ok, là il a fini, il lui reste plus qu'il pense, c'est parti. Donc bien sûr, là il s'est préparé au TEPS. Ce que je lui ai dit, c'est que là il aurait été vraiment éliminé. Au TEPS, donc si tu sais les TEPS, c'est pour le crêpe, c'est pour être coach sportif, enfin BPJEPS. Bien sûr, dès que vous en pouvez plus, et filmez-moi. Par exemple, vous êtes défente, dès que vous voyez vous faites dégueulasse, vous bougez de partout, vous replacez bien votre jambe, et là vous recommencez, ok? Là les juges ils vont prendre, ils vont voir que vous êtes motivé et que vous refaites les placements parfaits, c'est tout ce qu'ils veulent. Et ils veulent voir des gens motivés, ok? Donc c'est parti, on passe à 30. Ok, donc les fentes, comment on fait? Vous mettez comme ça. Votre jambe arrière, vous ne la mettez pas alignée à l'autre. Vous la mettez plus loin. Et aussi, à peu près ça, élargir de ça. Et là, puis vous descendez. Donc ici, il faut que ça perpendiculaire. Et là aussi, ok? Sans toucher le sol par terre. Ok? Allez, c'est parti. Allez. Allez, 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 que du sale. C'est tout ce que t'as. Arrête. C'est tout ce que t'as pour les abonnés. Tu crois que quand on va péter les 1000 abonnés, ça va être quoi? Tu crois que ça va être quoi? Ce sera pas un défi comme ça qu'on va faire, Vlad. On va en crever. Allez, encore, allez, allez. Allez, allez. Ça va plus, hein. Allez, allez. Ça déçoit tout ça, hein. Oh. Allez là encore, allez. Non, allez. Allez Vlad. Allez, retour. C'est terminé pour lui. Je l'ai tué. Je crois que je l'ai tué. Bon, bah, de toute façon, on va attendre son point de vue. Ça va. Alors, Vlad. J'en fous les jambes. Pas péter les jambes. J'arrivais même pas à courir. Alors, est-ce que t'as réussi à éteindre ton cerveau un peu ou pas? Franchement, vers la fin, on peut tout faire. Alors que tu fais de la muscu. Alors ça n'a rien à voir vraiment. En salle c'est complètement différent, vous travaillez avec du poids, alors que là vous travaillez au poids de corps, du coup il y a plus de répétitions à faire pour commencer à bien sentir comme à la salle. Donc c'est vraiment différent à choisir, le workout c'est beaucoup plus dur que la salle. Voilà. Après c'est chacun préfère ce qu'il aime. Ok. Donc pour le cardio, il n'y a rien de mieux. Donc la prochaine vidéo qu'on fera sur ce sujet là, donc là le titre de la vidéo sera je massacre Vlad au poids de corps. Donc lui sera pareil, je massacre Anthony au poids de corps. Et puis voilà, je pense que. Je vais crever, moi j'adore ça, j'adore éteindre mon cerveau, j'adore faire ça. Je trouve que c'est une très bonne expérience pour soi-même, pour oublier ses problèmes et pour surmonter ses problèmes. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci mon gars. Allez, ok, dites-nous dans les commentaires, vous voulez qu'on termine par quoi? Par quelle phrase? Qu'à chaque fois on sait pas quoi. On sait pas quoi dire. Voilà, c'est ça. Donc dites-nous, voilà, comme t'as dit, un slogan, je sais pas. Un slogan, un truc. Voilà, comme vous voulez, un truc stylé quoi. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut la team. Moi, c'est Anthony. Je suis né le 26 juin 1998 et j'ai actuellement 19 ans. Petit, je n'ai jamais eu confiance en moi. J'ai un trouble qui s'appelle la dyslexie. Ça n'a pas été toujours facile. Du coup, à cause de ça, j'ai dû changer d'école en école, de devoir me faire de nouveaux amis et surtout, de devoir me refaire accepter aux yeux des autres. Pour arranger